Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit. On la met sur le lampadaire pour que ceux qui entrent voient la lumière. Car rien n'est caché qui ne doive paraître au grand jour. Rien n'est secret qui ne doive être connu et venir au grand jour. Car à celui qui a, on donnera, et à celui qui n'a pas, même ce qui croit avoir sera enlevé. Jésus aborde aujourd'hui la question du visible et de l'invisible. Le monde dans lequel nous vivons est structuré à partir du visible et de l'invisible. Beaucoup de choses sont visibles. Des objets, des émotions, des attitudes, des réactions. Mais il y a certainement beaucoup plus d'invisibles. Non seulement l'essentiel de la création reste invisible à nos yeux, mais ce qui fait notre intériorité est invisible aux autres et pour une part à nous-mêmes. Jésus annonce la fin de cette distinction. Tout sera visible. C'est ce que signifie le mot « apocalypse » que l'on peut traduire par « dévoilement » ou « révélation ». Ce dévoilement ne doit pas nous faire peur, mais il peut orienter notre vie. Si j'ai quelque chose de ma vie que je veux à tout prix cacher, y compris à Dieu, c'est peut-être qu'il y a un point de conversion à vivre. Apprenons alors aujourd'hui à éviter toute culture du secret et à mettre pleinement notre vie sous la lumière du Seigneur.